Eh bien, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur City Car Driving Simulator. C'est ma toute première vidéo en live commentary. Alors actuellement je suis avec mon volant Logitech G29 et ça va être un petit test de la voiture d'une certaine BMW. Alors voyons voir ce qu'elle a dans la peau cette voiture. Alors, on est parti. Bon, je vous avoue que je l'ai déjà essayé, hein. Donc je sais qu'elle part bien, bien en couille. Je vais éviter de trop accélérer avec les trous. Pour info les gars, je suis fanatique de BM, c'est normal qu'il y ait souvent que des vidéos de ma BMW, des BMW pardon. Elle a pas tous les réflexes pour autre chose. Vraiment tout en gris. Donc c'est un petit peu. Faut pas rêver, il y avait un radar, non? Dites-moi que j'ai pas rêvé, il y avait bien un radar les gars, non? Vous allez me dire ça dans la description, parce que j'ai eu un gros flash d'un coup. Ah, je la gère pas du tout cette voiture. Hein. Je gère pas du tout. Allez, je vous montre en vrai si je la gère quand même. Je fais le premier coup de début. Ah, je la gère pas si bien que ça en fait. Oh, je vais me faire mentir tout seul là. Ah d'accord. Il me semble avoir passé la troisième quand même. Donc c'est pas bien grave. Après les gars, ouais, comme je vous dis, je suis fanatique des BM, donc ne critiquez pas si je fais souvent du BMW. Ah, j'ai calé. Calé quoi. On débauche sur l'autoroute et on fait travers et on meurt. Bon les gars, je suis désolé, je suis pas un professionnel, hein. Écoutez, hein. En tout cas, je vous assure que toutes les vidéos qu'il y a sur ma chaîne, c'est bien moi qui ai joué. Sauf que c'était les versions précédentes de City Car Driving, tout ci, tout ça, quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars. Donnez-moi vos avis, que je suis pas au top du top encore. La voiture, elle vole. Je compte sur vous, les gars. J'ai besoin de vous.
Sinon, je sais que j'arrêterai vite fait mes vidéos, quoi. Donc, je compte sur vous pour partager, liker et vous abonner. Allez, les gars, bon visionnage.